Bonjour, mes petits. Comment ça va? J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous allons prendre une nouvelle leçon. S'il vous plaît, ouvrez votre livre de français, atelier 4, à la page 20. Et écoutez bien. Leçon 4, page 20. À la cantine de l'école. Lis le texte et réponds aux questions. Il est midi. C'est l'heure du déjeuner. Les élèves vont à la cantine avec leur professeur. On déjeune ensemble. Ah, j'ai une faim de loup. J'espère qu'il y a un bon menu aujourd'hui. Moi aussi, j'ai très faim. Regardons le menu. Tiens, il y a des frites aujourd'hui. J'adore ça. J'aime pas les frites. C'est trop gras. Sinon, il y a des légumes, de la viande grillée, de la salade de concombre. Je vais prendre ça. C'est un repas équilibré et bon pour la santé. Et toi, Béatrice, comment manges-tu? Je prends du poulet rôti avec des frites et une salade verte avec une sauce à l'huile d'olive. Super! Et qu'est-ce qu'il y a comme dessert aujourd'hui? Des fruits, comme d'habitude. Il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Je vais prendre des framboises. Pas pour moi. Je n'aime pas les fruits rouges. Je vais prendre une mousse au chocolat. Ça a l'air délicieux. D'accord. Mais attention, trop de sucreries, ce n'est pas bon pour les dents. Silence! On ne parle pas à table. Bon appétit. Maintenant, lisons ensemble. Compréhension. Lis le texte et réponds aux questions. Il est midi. C'est l'heure du déjeuner. Les élèves vont à la cantine avec leur professeur. On déjeune ensemble. Stéphane. Ah, j'ai une faim de loup. J'espère qu'il y a un bon menu aujourd'hui. Béatrice. Moi aussi. J'ai très faim. Regardons le menu. Tiens, il y a des frites aujourd'hui. J'adore ça. Stéphane, je n'aime pas les frites. C'est trop gras. Sinon, il y a des légumes, de la viande grillée et de la salade de concombre. Je vais prendre ça. C'est un repas équilibré. Et bon pour la santé. Et toi, Béatrice, que manges-tu? Béatrice, je prends du poulet rôti avec des frites et une salade verte avec une sauce à l'huile d'olive. Stéphane, super. Et qu'est-ce qu'il y a comme dessert aujourd'hui? Béatrice, des fruits comme d'habitude. Il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Je vais prendre des framboises. Stéphane, pas pour moi. Je n'aime pas les fruits rouges. Je vais prendre une mousse au chocolat. Ça a l'air délicieux. Béatrice, d'accord, mais attention.
trop de sucreries. Ce n'est pas bon pour les dents. Madame Vartan, silence. On ne parle pas à table. Bon appétit. Après avoir lu la leçon, faisons les exercices. Ouvrez votre livre à la page 21. Remplis le tableau avec des mots du texte. Qui prend quoi? Voilà le tableau. On a Béatrice et Stéphane. Viande, légumes, féculents, fruits, dessert. Stéphane a pris de la viande grillée. Légumes, c'est Stéphane aussi. Stéphane a demandé de la viande grillée et des légumes. Féculents, c'est Béatrice. Béatrice a demandé des frites. Béatrice a demandé aussi des fruits, les framboises. Et comme dessert, c'est Stéphane. Stéphane a demandé une mousse au chocolat. Exercice 2. Trouve dans le texte les adjectifs ou les expressions qui signifient 1. Avoir très faim. J'ai une faim de loup. 2. Ce n'est pas très légère. C'est trop gras. 3. Un repas sain qui contient des vitamines. Un repas équilibré. 4. C'est très bon. Ça a l'air délicieux. Trois. Complète le dialogue avec les éléments proposés. Béatrice. Qu'est-ce qu'il y a au menu d'aujourd'hui? Stéphane. Il y a de la salade en entrée et du poisson en plat principal. Béatrice. Est-ce qu'il y a des frites? Stéphane. Non, il n'y en a pas aujourd'hui. Béatrice. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Une tarte aux cerises. Ça a l'air délicieux. Mes bons élèves, c'est fini notre leçon. J'espère que c'est facile. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite toujours la bonne chance. Au revoir.